Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau classé comme jamais. Vous voyez mon classement, il est très 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 bon. Là on est à 1686, si on pouvait gagner celui-là, on atteindrait peut-être les 1700, ce serait très très bien. Puisque vous le savez peut-être lors d'un stream que j'ai fait il y a quelques semaines, même si j'en fais plus beaucoup en ce moment, j'ai fait 10 victoires et une défaite. Donc nécessairement, mon classement, bah il a monté en conséquence. Et du coup on est à 14-2 au total, c'est très très bien. On est toujours avec la team de Ye Jiang, joueur chinois, qui était numéro 1 mondial avec cette team, à la fois sur les combats classés, sur console et sur Pokémon Showdown. On a gagné lundi dernier avec cette team. Est-ce qu'on va faire de même aujourd'hui? Je me souhaite bien entendu. En tout cas, nous sommes face à Gouroutan, Ptera, Ronflex, Ossature, Persian et Chartor. Alors, on a un bluffeur avec Gouroutan. J'y vois un signe, hein, personnellement. Hein, je vois une petite distorsion se poser quelque part. On a également le Ptera qui pourrait grandement nous embêter avec ses éboulements. En tout cas, on va prendre pour commencer. Alors, ça qui est le Chartor qui m'embête, mais. Si je prends Tocopillon et Sorbouboule, je vais mettre quand même une sacrée pression. Falloir l'empêcher de faire des ravages avec son Chartor. Donc c'est vrai que Ekaiser l'en empêche grandement. C'est vrai. Complètement. Et on va prendre avec ça... Je pense qu'on va prendre Ronflex, hein, qui me paraît totalement cohérent. Face à l'équipe adverse. Alors, je prends peut-être un risque, hein, avec Tocopillon, Sorbouboule en lead. J'aurais peut-être dû prendre Ronflex parce que c'est le plus lent de l'équipe. Parce qu'il est minimum vitesse à mon Ronflex. Ah ouais, non, je regrette. J'aurais dû prendre Pardon pour ça. J'aurais dû prendre Ronflex et faire Malédiction tour 1. Comme ça, s'il posait la distorsion, bah, son Chartor, c'était pas le Pokémon le plus lent. Et du coup, bah, sous la distorsion, c'est mon Ronflex qui attaquait avant avec Cavalerie Lourde. Ah non, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Face à Chartor, c'était monstrueux. Ok, bon, ça envoie Persillant, du coup, je regrette peut-être pas tant que ça. Il l'envoie avec Ronflex. Je suis surpris qu'il l'envoie pas avec. Qu'il l'envoie pas avec son. Avec son Gouroutan. Bah, c'est peut-être son. Il avait peut-être peur. Hein. Il avait peut-être peur de ça. En tout cas, on va y aller dans un premier temps avec. Alors, oui, évidemment, le champ brumeux. Alors, il n'y a aucun gardien dans la team de mon adversaire. Hein. C'est assez rare pour le signaler. Aucun gardien. On va commencer par Okroupi, bien sûr. Si on pouvait baisser la pression des adversaires, ce serait, ma foi, fort sympathique. On va y aller pour Okroupi. Le bluff, je m'attends à ce qu'il soit pour Tocopillon quand même. Par contre, ce Ronflex, il a. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire avec Sorbouboule? C'est vrai qu'on pourrait envoyer. Ouais, non, on peut envoyer Kaiser. On peut envoyer Kaiser qui a son attaque Z combat. Alors, oui, il a Exploforce. Je joue une équipe dans laquelle il y a Exploforce. Je sais que ça me ressemble pas. Mais c'est uniquement pour son attaque Z, hein, qu'elle est là, l'attaque Exploforce. L'attaque Z combat spéciale, elle est monstrueuse. Le bluff, si ça part pour Kaiser, c'est incroyable. Oh là 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 là, ce switch est formidable. Au croupi. Alors, si on baisse la précision du Ronflex, c'est gagné. Si on baisse la précision du Ronflex, c'est déjà gagné. Oh là 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 là. Enfin, c'est déjà gagné. Faut qu'il loupe une attaque, quoi. Ça fait Cogno bidon. Alors là, je pense qu'il va un peu regretter. Je pense qu'il va totalement regretter. Parce que derrière, eh ben, il va pas kiffer. Il va prendre une attaque Z combat. Et mais le persillant, il va succomber, hein, évidemment. Il va succomber à une Okroupi de plus. Il a rien du tout à faire contre mes Pokémon. Mais deux Pokémon résistent aux ténèbres. Et persillant n'a rien d'autre que le ténèbre, hein, pour faire mal, clairement. Il n'y a vraiment pas une bonne stat d'attaque. On va rester sur Okroupi. Si ça switch pour Chartor, même s'il y a le soleil, ça va faire mal. Et on va y aller pour... on va y aller pour l'attaque Z combat sur le Ronflex. Il a placé Cogno bidon. Même s'il s'abrite, on va lui faire des dégâts assez intéressants. Et au final, on tue le Persian, donc c'est pas très grave. Oh, à la queue. Si tu veux... Bah, en fait, tant qu'il loupe son attaque... Enfin, ouais, il faut que le Ronflex loupe son attaque maintenant. Parce que là, ça devient un petit peu nécessaire. Ah, j'avais pas pensé à la queue, c'est vrai que c'est plus que gênant. Au pire, s'il va chercher mon Ekaiser, c'est pas dramatique. Retour. Oh là là, on a évité l'attaque, mon dieu. Les 1700, ils arrivent. Très très bon début de VGC 2017 pour le Battle Set pour ma part, parce que là, on va... Voilà, là, je peux pas croire que je gagne pas cette partie. Hein. Je suis en 4v2. J'ai perdu très peu de PV, si ce n'est pas du tout. Et bon, j'ai utilisé mon attaque Z, mais ça, je pense pas que ça change grand chose. Même s'il me sort Chartor,
je peux tout simplement renvoyer mon sort bouboule et paf, il y a plus de soleil et donc je peux faire au croupi. Donc non, je vois absolument pas comment mon adversaire pourrait faire pour s'en sortir. Même s'il envoie Gouroutan Charter derrière, ça ne suffira point. Point du tout. En tout cas, j'adore cette musique. C'est une des musiques préférées de toute l'histoire du jeu. Ok, Gouroutan et Ossature. Ok, très bien. Bah écoutez, ça change pas grand chose. On va faire Okroupi et Vibrekai, je pense. Oui, on va faire Vibrekai plutôt qu'Exploforce. Vous savez bien que j'aime pas Exploforce. C'est pour moi la pire attaque du jeu. Non, je ne supporte pas ce truc. 70 de précision, tout ça pour une attaque à 120 de puissance. Non, laisse tomber, c'est pas mon truc. Allez, petite Okroupi. Non, mais évidemment, j'ai eu beaucoup de chance dans ce combat. Hein. Bon, en même temps, en deux Okroupi, c'est un petit peu normal que je brasse la précision du Ronflex une fois. Enfin, un peu normal. Il y a quand même fort probable que ça arrive au moins une fois. Après qu'il loupe mon... Enfin, que mon Ekaiser évite l'attaque. Ça, évidemment, c'était du bonus. Après, est-ce que ça change grand-chose au résultat? Je suis pas convaincu. Qu'on se le dise, hein, je suis pas certain. Je suis pas certain. En tout cas, ça pose la distorsion en face. C'est pas vraiment une surprise. Mais il pourra pas vraiment m'empêcher de faire Okroupi au tour suivant. À moins qu'il double focus. Ouais, faudrait qu'il double focus. Faudrait qu'il double focus mon Tocopillon, qu'il fasse psycho plus os sombre. Et encore, je suis même pas certain que ça suffise. Je suis franchement pas convaincu que ce soit assez. On va y aller pour une Okroupi supplémentaire. Et on va refaire Vibrekai, bien sûr. Bien entendu. Ok, ça fait bien os sombre. Oh, c'est mon Ekaiser. Oh, bah il est en train de me donner la partie en plus. Bon, je suis à moins 1 en défense hein, avec Vibrekai, donc c'est normal que le os sombre il termine largement. Oh! Mur lumière, ok. Alors là, c'est l'un des meilleurs moves qu'on puisse. C'est l'un des meilleurs quatrième moves, entre guillemets, qu'on puisse mettre sur Gouroutan. Ah, le miss sur Ossature, là, il est monstrueux, par contre. Là, il est monstrueux, c'est peut-être le sursis de mon adversaire. Oh, par contre, le petit coup critique ici qui fait plaisir. Ouais, on n'aurait pas fait autant de dégâts avec le mur lumière s'il n'y avait, avait pas eu le coup critique. Parce que du coup, on a ignoré le mur lumière hein, avec le coup critique. Et la grêle qui termine. Ouais, donc j'ai vraiment eu énormément de chance dans ce combat. On va pas se le cacher. Derrière, on est sous la distorsion, bah voilà, on envoie Ronflex, qu'est-ce que je vous dise. Évidemment qu'on envoie Ronflex, bien sûr, et bien sûr, et comme j'ai gagné mes deux combats cette semaine, et eh bien, comme promis, je jouerai cette team la semaine prochaine. Alors, j'avais build une team, il y a une team que j'ai build depuis un moment, et que j'ai utilisé, j'ai gagné un tournoi Shodan avec, j'avais fait 10-1 en stream avec, et je l'ai toujours pas joué sur YouTube. La team marche très bien, elle tourne très bien, c'est une bonne team, une très bonne team de Battle Spot. Bah je voulais toujours pas sortir pour YouTube. Bah comme quoi, ça attendra. Ouah mais il évite tout, c'est pas possible. C'est un ninja le Ossature, il évite tout quoi. Comme ça, c'est incroyable. What? Il a la poudre claire. C'est pas incroyable. Il a la poudre claire le Ossature. Je peux pas croire autre chose. Il a évité deux Okroupi et une cavalerie lourde. Ah, il est hallucinant lui. Alors lui franchement je le respecte hein, parce qu'il évite. Non mais attendez. Eh, niveau RNG finalement, on est sur un pied d'égalité. Bon, qui m'arrange énormément, mais on est peut-être sur un pied d'égalité, je ne sais pas. Non, j'ai eu un coup critique. Le coup critique, le 1 chance sur 16, il casse tout dans ce délire-là. Eh non, la caméra lourde, elle ne loupe pas. Ça va pas suffire, ceci dit, mais bon, voilà quoi. Ça va quand même, voilà. Sachant qu'il fait bout de feu, ça va beaucoup m'aider. Ouais, il est parti du principe qu'il fallait miser sur des misses répétées de Okroupi pour qu'il puisse gagner. Donc je suis plutôt d'accord avec son bout de feu sur mon Ronflex. Et oui, mon Ronflex, il a pas Isogresse et non, il a gloutonnerie histoire de manger plus rapidement la baie. Je sais même pas comment ça s'appelle en français, mais bon, vous savez très certainement de quelle baie il s'agit. C'est comme la baie Figgy, hein, ce genre de truc. Et du coup, bah écoutez, on est à 2 victoires avec cette équipe. Je suis peut-être à 1700 de classement. J'y suis peut-être. C'est possible. En tout cas, mon classement, il doit être pas mal, je pense. Puisqu'on est à 15 victoires et 2 défaites. Ce qui est un ratio assez,
assez correct. Je pense qu'on peut se permettre de dire ça en tout cas. C'est une victoire et donc comme promis, j'ai bien fait deux victoires avec cette équipe cette semaine. Du coup, je jouerai la M-Team la semaine prochaine. Cette équipe, elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. On remercie évidemment Yay Jang, celui qui a imaginé la team. C'est vrai qu'elle est très curieuse la team, mais elle marche très 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 fort. La preuve est donc rendez-vous lundi prochain pour le prochain Classé comme jamais. Toujours avec notre ami Sœur Bouboule et notre ami Ekaïsseur. Salut tout le monde.